Hello everyone, c'est encore moi et cette fois-ci, c'est pas pour ma vidéo de la semaine. Apparemment, on m'a suggéré qu'une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les semaines et demie, c'était pas assez et que par rapport à l'algorithme et à tout ce qui s'ensuit et tous les paramètres qui s'ensuivent sur YouTube, si je veux avoir un petit peu plus de visibilité, je devrais varier mes sujets. Et éventuellement essayer de faire minimum 2 vidéos par semaine, ce qui représente, vous vous en doutez, beaucoup de travail. Donc, comme pour mon sujet de prédilection, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de recherches, j'y passe énormément de temps et qu'en fait, c'est pas que je suis longue ou quoi, mais c'est que vraiment le travail de recherche, c'est ce qui au final me prend le plus de temps. Je vais diversifier effectivement avec des sujets plus légers. On m'a aussi demandé de faire un peu plus du story time, de vous parler. Alors peut-être, pourquoi pas. J'essaierai peut-être de mettre ça au point, bien que je suis pas super fan à l'idée de parler de moi. Mais bon, c'est un exercice auquel je veux bien me prêter si ça peut faire plaisir à mes abonnés. Alors du coup, je vais essayer de poster le dimanche. Et là, mes vidéos du dimanche, normalement, vont toujours tourner autour des découvertes du monde, des mystères, des théories du complot, etc. Et le mercredi, et les vidéos que je posterai le mercredi, ce seront plus des sujets, peut-être pas d'actualité, parce que je suis pas assez dedans pour pouvoir en parler. En tout cas, pour me sentir légitime d'en parler, ça c'est incontestablement. Mais peut-être, oui, peut-être j'essaierai du story time. Vous parlez de moi, vous parlez de ma vie, bien que je trouve ça très narcissique et que de base, c'était une des critiques premières que je faisais à l'encontre des youtubeurs, etc. Mais si on me le demande, ben, why not, quoi? Honnêtement, why not? C'est vrai qu'en plus, je peux donner pas mal de conseils sur pas mal de sujets dans le sens où je suis une Française qui s'est expatriée. Donc, j'ai pas mal d'informations concernant, si ça vous intéresse, les visas, l'intégration avant les États-Unis. Faut savoir que j'ai habité en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Afrique, donc vraiment n'hésitez pas à me suggérer si je suis une maman d'un préadolescent qui, je vous l'avoue, parle plus anglais que français, ce qui fait qu'il y a un certain décalage. Oui, peut-être autant de sujets intéressants qui, dans l'absolu, pourraient aider des gens qui rencontrent les mêmes cas de figure que moi. Laissez-moi savoir si vous pensez que c'est intéressant ou si je me fourvoie ou si je devrais éviter de tomber dans les niches de masse. Si vous avez pareil peut-être des sujets à me suggérer autres que les théories du complot, les mystères, le paranormal et des choses plus, je sais pas, les séries, je suis fan de séries, j'adore le cinéma, j'adore... Petit aveu en préambule et petit aveu inavouable, j'adore la télé-réalité. Vraiment. Donc oui, why not? Je suis ouverte à tout parce que vraiment, je ne souhaite pas saturer mes abonnés avec des vidéos qui au final pourraient s'avérer redondantes et donc indigestes si je tourne autour des mêmes sujets. Ça va peut-être donner l'impression que je veux absolument convaincre de tel ou tel genre, les Illuminati, les sociétés, la manipulation. Je veux pas tomber dans ces travers-là parce que vraiment, je ne veux convaincre personne. Je donne matière à réflexion. C'est ce qui me plaît. Moi-même, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne crois pas forcément à tous les sujets que je vous présente, mais en tout cas, ils me fascinent et me font m'interroger. Donc, j'attends vos retours et puis je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas pour sûr, pour mes vidéos de la semaine. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, stay safe les amis.